Les 7h du matin dans tout studio TV National d'Haïti. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec vous jeudi vendredi pour nous capables présenter tout élément d'information. Déjà, nous souhaitons passer un très bon vendredi sur TNH et surtout un très bon week-end. Rapidement, mes grands points qui ont dominé l'actualité à l'inspection générale de la police nationale d'Haïti recommande la direction générale à PNH là pour les capables de révoquer 4 policiers, blâmer 2 et puis mettre 8 autres en disponibilité. C'est parmi les décisions qui sortent dans le cadre du dossier IGPNH mettez dehors pour date sortie janvier pour arriver mois de mai 2018 là. Travail réhabilitation tronçon route Delma 95 et Delma 60 a continué. Technicien qui déjà déposé l'huile sur une partie dans route là a travaillé pour capable déposer asphalte dans un site qui pas trop loin et puis mettre route là opérationnelle. Restaurant communautaire recommence à fonctionner dans zone métropolitaine tant qu'au canapé vert, poste marchand à Grand Ravine. Une équipe de télévision nationale d'Haïti a fait un coup de pied dans plusieurs restaurants communautaires n'a pas de possibilité pour capable suivre papier dans le journal là. Et puis à l'étranger, c'est jeudi, vendredi, là, sommet G7 là, li ap louvri dans le pays Canada, dirigeant 7 pays qui pi riche dans le monde là, a gagné pour capable réfléchir ensemble, discuter sur un pile point qui a dominé le monde là. Ce point ça à quelque chose. N'a pas pour capable porter pour dans journal là, jeudi là, n'a pas pose pas déplacer n'a tourner. Merci pour fidélité ou à 14 fois journal ça nous retourner pour développement information yo. Et nous te disons dans grand titre travailleur réhabilitation tronçon route Delma 95 avec Delma 60 après poursuivre. Travail ça qui commencé depuis environ 2 mois à permettre circulation améliorée dans zone ça yo. Technicien yo déjà déposé l'huile sur une partie dans route là et puis a travaillé pour capable déposer asphalte dans un titan qui pas trop loin. Il a gagné pour yo capable arriver mettre route ça opérationnel dans un titan qui pas trop loin. C'est compagnie Remix lui-même cap exécuter travail ça yo. Après un temps, yo te campé restaurant communautaire yo recommencé fonctionner d'après témoignage quelques responsables. Dans l'idée pour permettre à la population connait qui jan reprise activité yo yé dans restaurant communautaire sa yo yon équipe télévision nationale d'Haïti fait un coup de pied mercredi 6 juin passé ya dans plusieurs restaurants communautaires dans plusieurs zones dans plusieurs côtés dans zone métropolitaine Port-au-Prince tant qu'au canapé vert poste marchand à Gravine. Rachel Saint-Fort et Michel Joseph a présenté nos contrats. Faciliter les gens qui plus ont besoin de jouer un plat chaque jour à qui ont des monnaies, c'est le principal rôle restaurant communautaire qui entre dans 4 programmes assistance sociale et des PEP. D'après divers responsables restaurant communautaire dans le pays, après un temps, ils ont campé. Restaurant communautaire a recommencé à fonctionner normalement. Manger au pari à l'air, population déplacée en quantité vient acheter. Je remercie l'autorité pour l'initiative ça qui a eu possibilité pour servir la population. Je souhaite que le restaurant communautaire continue à fonctionner comme ça doit. Nous ouvrons le restaurant depuis 16 mai, 17 mai. Bon, pour jusqu'à présent, on a travaillé. Kif-kif, nous là, nous mangeons bien et que mon peuple est content et que moi-même, tout moins fier de ce que moi aidé. Parce que ça peut être en pile fruit parce que nous venons en quantité, en nombre, et que nous aimons ça. Nous avons salvé avec la jeune, nous avons comme tout, nous avons tout. Et nous avons fait sauce poule, et puis nous faisons du riz collé, après, manger bien goût. Tout le monde mange. Nous aimons les gens faire là chaque jour, félicitez. Les gens qui font déplacement viennent acheter dans le restaurant communautaire remercient l'autorité dans l'État pour ça qui permet de manger. Les petits manger avec faible moyen de gagner. Ils souhaitent que le programme arrive à tout le monde qui n'a pas de moyens dans le pays. Le restaurant communautaire a une importance pour le quartier. Parce que à 20 dollars, on prend 4 plates. Ou la famille sur 4 petites. Sur 10 même à 5 dollars. Il y a une pile valeur pour nous. Dans la zone bois ici, et c'est tout le monde net qui mange en général. Pas de machine qui vient manger et de peuple là. Je dis merci, bon Dieu,
bon Dieu existe vraiment. Parce que c'est quelque chose maintenant. On plame laver l'autre plame. Imaginons bien. Regardez tout le monde qui souligne là. Avec 10 gouttes, 3 dollars, vous mangez. Selon quelques responsables dans l'État, fonctionnement restaurant communautaire, c'est une nécessité pour les gens qui plus n'ont besoin. Plusieurs ont expliqué. Ils ont déjà commencé à consulter, discuter avec divers autres acteurs concernés pour élaborer un document qui définit la politique de promotion et protection sociale dans le pays d'Haïti. Action ça a visé puis bien accompagner la population, si tout ça a occupé dans besoin jusqu'à ce que vous arrivez à répondre à la responsabilité envers la tête et la famille. Dans le dossier sécurité, nous avons dit que dans le grand titre, pendant le mois de mai, l'inspection générale de la police nationale d'Haïti recevra 69 plaintes contre les policiers. Elle mène 556 enquêtes sur le dossier et puis fait plusieurs recommandations par la direction générale de la police nationale d'Haïti. Dans la recommandation sa yo, responsable IGPNH yo, mande direction générale à PNH la pour li capable de révoquer 4 policiers, blâmer 2 et puis mettre 6 lotes en disponibilité. Selon porte-parole, en après inspection générale à la police nationale d'Haïti, commissaire divisionnaire Jean-Claude Benjamin, IGPNH a traité 274 dossiers sortis mois de janvier pour arriver mois de mai 2018. Là. John Herbie Kasséus a bien amassé été sur place en un suivant extrait. Acte d'enquête nous réalisé autour de dossier SAIO, c'est 556 qui répartit comme ça. 165 convocations, 93 auditions, 34 enquêtes de voisinage. Nous avons gagné 17 confrontations et nous avons gagné 3 mesures d'isolement. Quantité de dossiers que IGC signe pour moi, ça, pour moi, MEA, que l'I expédie au directeur général, il y a un nombre de 76. Il y a un nombre de 76, tandis que nous avons gagné 87 enquêtes qui étaient ouvertes. Parmi 76 dossiers que l'IGC voye par DG, recommandations qui sont dans yo, par exemple, nous jouons 6 mises en disponibilité, nous jouons tout 2 avertissements, nous gagnons 2 blâmes, nous gagnons également 32 classements. Donc, classement, ça veut dire que c'est dossier des cas que plaignant vient porter plainte, tandis que l'inspection générale traite dossier, il va jouer une évidence pour sanctionner les policiers. Yo. Donc, le ça, les recommandé. Et classer dossier ça. Donc, il y a un nombre de 32. Même j'entends qu'il y a 39 avis au plaignant. Avis au plaignant, c'est lorsque le plaignant vient porter plainte. Nous finissons de traiter le dossier, il quitte un numéro de téléphone. Maintenant, nous relèvons pour nous dire, mais qui résultat qui sortit dans le dossier que l'IT et porter plainte contre policiers dans l'inspection générale. Donc, c'était en gros quantité de travail ça qui était réalisé dans l'inspection générale pour moi, mai 2018. Là. On a profité pour nous dire si il y a un monde qui t'a remarqué qu'il y a un bagage qui a fait par un policier ou estimé que l'inspecteur général t'a intervenu, pas négliger les nous sous 2259 1111 et puis 2260 1111. Nous avons quitté PNH là, nous prenons les cougnes dans le Parlement haïtien qui est à subir n'importe quoi. La rencontre qui était prévue faite hier jeudi 7 juin, un membre de la commission éducation de la Chambre des députés. Ak ministre éducation nationale ak formation professionnelle Pierre Josué Agenon Kadè sous déroulement examen l'état yo pas privé organisé ministre Kadè mandé reporter rencontre là à cause lui-même li te gen empêchement secrétaire rapporteur commission éducation dans chambre député Pierre Fekir Julien dit yo tap pral mandé ministre là et poser li quelques questions sur examen l'état yo ak l'autre problème qui gen pour wè ak système éducation pa bon ici tant en nous suivant extrait dans micro Fener confident ak Rémi Godji nous raté encore une fois occasion pour noter avec ministre éducation qui était gain pour répondre à des questions concernant préparatifs qu'a fait sous affaire examen d'état. Examen ça fait nous penser à évaluation. Et pour évaluer, on va l'évaluer en processus en année scolaire. Donc nous avons la question des ministres ce matin pour l'expliquer nous. Évaluation qui ça le faire. C'est par téléphone matin gain en communication qu'a fait. Le président de la commission fait appel, il a informé le ministre qu'il a une autre obligation de ne pas venir.
Nous pour aller dans spécial social qui marie en même temps avec question sport. Tout pour yo c'est une fondation tout neuf qui lancé. C'est une initiative sénateur département l'Ouest là Patrice Dumont la tête collée avec ancien gros joueur football haïtien. Une mission fondation c'est là c'est rivé Bayer Espoir pas bon ici Booster Bali Jarrette. En nous suivant extrait. La quête de peu d'argent, de beaucoup d'argent, commence aujourd'hui. Elle commence aujourd'hui. Elle finira lorsque vous, nous tous, nous aurons compris que nous avons accumulé 3 millions de dollars américains, 5 millions de dollars américains, et que nous pourrons dire avec cette camionne au gouvernement, à l'État, aux sénateurs, en tant que sénateurs candidats, que nous avons un peu d'argent que nous avons mis de côté. C'est la preuve que nous voulons non plus assister au stade de 14 à des matchs où nous n'avons pas le droit d'éprouver des besoins d'ordre physiologique. Où nous n'avons pas le droit de nous faire accompagner de nos fiancés et de nos femmes. Où nous n'avons pas le droit de nous asseoir sans nous inquiéter des quelques éléments disgracieux qui peuvent prendre droit sur les sièges, sur les espaces qui nous sont réservés, sans qu'il n'y ait des senteurs désagréables. Mais Dieu puissant, nous avons le droit d'être les Haïtiens que nous avons toujours dû être. Donc, à ce moment-là, nous prierons le gouvernement de faire son travail. Et un moment pour que nous soyons capables de prendre un coup de pause, nous allons tout à l'heure. L'arrivée est le moment pour que nous fermions le chapitre local là, nous prenons les connaissances à l'autre bord de l'eau et nous te disons dans grand titre, gagner un dirigeant 7 pays qui sont industrialisés sur la planète là, qui a réuni jeudi vendredi à là, dans le pays Canada, pour s'accueillir le sommet G7 là. Mais l'état plus paraît, il y a un sommet, je vous dis là, 6 plus 1 par rapport à conflit, qui que 6 pays face à pays États-Unis par rapport à décision président américain li prend pour li capable monter taxe sur un pile produit qui apporté dans pays États-Unis. Euronews a dit nous plus. Les dirigeants des 7 pays les plus industrialisés de la planète réunis ce vendredi au Canada pour un sommet du G7 qui s'apparente plutôt à un G6 plus 1. Le vilain petit canard, c'est Donald Trump, attendu au tournant par les autres participants, remonté contre les nouveaux tarifs douaniers sur les importations d'acier et d'aluminium décidés par le président américain. Son homologue français Emmanuel Macron a déjà appelé à résister à l'intimidation américaine. Peut-être que ça est égal au président américain aujourd'hui d'être isolé, mais nous, ça nous est aussi égal d'être à 6, si besoin était, parce que ces 6-là représentent des valeurs, représentent un marché économique qui a cette force de l'histoire et qui surtout représente une vraie force au niveau international aujourd'hui. Riposte de Donald Trump via un tweet lapidaire. Le Canada et la France font payer aux États-Unis d'énormes taxes. Ils créent des barrières non monétaires. Et le président américain de souligner les plus de 150 milliards de dollars d'excédent commercial de l'Union européenne avec les États-Unis. Le ton de ce G7 est donc donné. La confrontation s'annonce tendue lors de ce sommet qui se tiendra durant 2 jours dans un manoir de la petite ville québécoise de Lamal Bay où la sécurité a été renforcée. Les manifestants sont strictement tenus à l'écart.
Président américain Donald Trump fait connaître les possibles pour que les capables d'inviter Kim Jong-un, qui se dirige nord-coréen dans le pays États-Unis, si toutefois rencontre, pour faire tête à tête là, tout bagaille passe bien. Président américain lui fait déclaration ça pendant l'état pour se voir Premier ministre japonais dans la Maison Blanche. Euronews a dit non plus. Le Premier ministre japonais a été reçu à la Maison-Blanche, comme pourrait l'être bientôt le leader nord-coréen. Donald Trump semble en tout cas l'envisager sérieusement et s'est dit prêt à inviter Kim Jong-un aux États-Unis si leur prochain tête-à-tête se passait bien. L'objectif de la visite de Shinzo Abe à Washington était de coordonner étroitement son approche de la question nord-coréenne avec celle du locataire de la Maison-Blanche. Le Premier ministre voit dans les intenses tractations diplomatiques en cours autour de la péninsule coréenne. Shinzo Abe, qui ne cesse de souligner l'impérieuse nécessité de ne pas baisser la garde face au régime de Pyongyang qui fait peser selon lui une menace concrète sur l'archipel avec ses missiles. De son côté, Donald Trump croit déjà au grand succès qui pourrait découler de sa rencontre avec Kim Jong-un. Mais si jamais les choses dérapent, je suis prêt à mettre un terme à notre rencontre. J'espère que ce ne sera pas nécessaire. Je pense que Kim Jong-un veut faire quelque chose de formidable pour son peuple et aussi pour sa famille et pour lui-même. La multiplication des rencontres sur l'épineux dossier nord-coréen a un goût amer pour Shinzo Abe, jusqu'ici tenu à l'écart. Donald Trump prépare son sommet, le président chinois et son homologue sud-coréen se sont déjà entretenus à deux reprises avec Kim Jong-un. Le chef de la diplomatie américaine l'a lui aussi rencontré et Mike Pompeo a assuré que le dirigeant nord-coréen était prêt à négocier. Reste une question, quelles concessions Kim Jong-un est-il prêt à faire? C'est ce qui sera sur la table à Singapour le 12 juin lors de sa rencontre avec Donald Trump. Dernière information à partager avec nous dans le journal aujourd'hui, c'est concernant les questions technologie, puisque Facebook continue à faire parler de lui par rapport à bug, situation qui a présenté par rapport à réseaux sociaux. Ça, et bien, dans mi-temps mois de mai, on a gagné 14 millions d'utilisateurs qui ont des messages qui n'ont pas été privés. Et bien, on voit que les messages arrivent postés sans que ce soit même qui fait ça en public. Une situation qui était pour Facebook environ 5 jours pour être capable résoudre un problème, c'est là. Euronews, Abdino Plus. Un nouveau bug chez Facebook et vous êtes peut-être affecté. 14 millions d'utilisateurs ont vu leurs messages privés postés comme publics entre le 17 et 22 mai. Ce qui était réservé à la catégorie « Amis » sur Facebook était donc accessible à tous. Facebook a mis 5 jours à résoudre le problème, un problème intervenu alors que le groupe travaillait à une nouvelle façon de partager certains éléments du profil des utilisateurs, comme les photos. Le groupe qui a présenté ses excuses a assuré que les personnes concernées seraient averties. Ce problème intervient au moment où Facebook est fortement critiqué pour avoir laissé échapper les données de dizaines de millions d'usagers. C'est ce dernier note ça, nous mettons un bout dans le journal là, mais avant que nous allions permettre que nous rappelons grand point qui dominait l'actualité. Inspection générale la police nationale d'Haïti recommande la direction générale la PNH pour les révoquer 4 policiers, blâmer 2 et puis mettre 6 autres en disponibilité. C'est parmi les décisions qui sortent dans le cadre du dossier IGPNH la traité sorti mois de janvier pour boutin mois de mai 2018. Travail réhabilitation tronçon route Delma 95 avec Delma 60 à poursuivre. Technicien ont déjà déposé l'huile sur une partie de la route là. Il y a travail pour capable déposer asphalte dans un titre qui pas trop loin et puis mettre route là opérationnelle. Nous avons une possibilité de suivre dans le journal là un reportage spécial avec Rachel Sefort. Restaurant communautaire yo recommencé fonctionner dans zone métropolitaine à Port-au-Prince tant que canapé vert poste marchand à Gravine. Yon équipe télévision nationale te fait un coup de pied dans plusieurs restaurants communautaires pour montrer nous qui j'en saye. Et puis l'autre bord de l'eau, c'est jeudi vendredi un sommet G7 là les a ouvrir dans pays Canada
côté dirigeant 7 pays qui plus riche dans le monde là a gagné pour capable chita parler sur un pile point qui a dominé actualité mais particulièrement torchon qui a brûlé entre pays ça yo et États-Unis par rapport à décision président américain prend pour les capable augmenter taxes sur tout sur produit qui a apporté sur compte sur pays États-Unis. Et c'est là journal arrive dans bout nous te content avec vous. Merci pour fidélité. Et attention, nous souhaitons passer un très bon vendredi et un très bon week-end dans ce territoire d'Haïti. N'a pas rendez-vous lundi matin, mais surtout pas oublier dimanche à 3h de l'après-midi à gagner en direct finale télégénie côté cellule Gonzaga pral gagner pour les capables trop qui connaît à centre d'études lumière Cafo pour capable connaître qui est ça qui a champion Anissa pour télégénie édition 2018. Bye bye tout le monde, à lundi matin pour l'autre édition nouvelle, Journal Matin.